Bah salut, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'installes? Tu t'installes où? Ah, dans l'immeuble? C'est génial! Ah non, tu t'installes chez moi? Ah! Ah! D'accord. Tu fais le grand saut? Ah, le grand saut. Enfin, Didier, il est 3 h du matin, qu'est-ce qu'il prend? Ah! Mais attends, Didier, j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. Bah non, j'ai pas envie. Puis j'ai pas tellement de la place d'abord. Mais si, je t'aime, Didier, c'est pas le problème, mais c'est juste que, voilà, j'ai pas envie, quoi. Ah, le mariage? Ah, le mariage. J'ai pas envie qu'on se marie, moi. Ah non, j'ai pas du tout envie, tu comprends, pas du tout. Je sais pas, j'ai pas envie de tout, de rien. Comment dire Tu as toujours faim quand je fais un régime. Tu traces des heures et tu nettoies jamais le lavabo. Puis j'ai pas de la place là pour ta grosse machine à laver. Plutôt que pas Stéphane, désolé, je le trouve lourd, lourd. Lourd, 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 lourd. J'ai pas envie qu'il vienne chez moi tout le temps regarder le match de foot en bouffant toutes mes cacahuètes, quoi. Enfin plein de trucs, je sais pas moi. Non. Ah non, ça c'est sûr que Stéphane, je l'aime pas, non, c'est clair. Mais si, mais toi, je t'aime, Didier, c'est pas le problème. Mais Stéphane, voilà, il me reste au travers du gosier, quoi. En plus, je me suis fait construire une nouvelle étagère, là. J'ai enfin réussi à caser toutes mes affaires, alors si en plus il faut caser les tiennes. Non mais oh, Didier, ça va pas la tête ou quoi? Attends, t'es en train de m'insulter à 3 h du matin devant chez moi, là? Mais t'as craqué ou quoi? Bon alors, Didier, c'est simple. Faut que tu saches une chose. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne. Je ne veux pas, voilà. Je veux pouvoir vivre seule, 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 voilà. Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquille, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage une fois par an si ça me change, je veux pouvoir dépenser mon fric à ma façon, je veux. Le problème? Le problème. Attends, pardon, je parle. Didier, le problème, c'est que je veux pas d'un mec comme ça, là. Et tiens, fait sur mon canapé qui bâille en me demandant ce qu'il y a à bouffer ce soir, voilà. J'ai pas non plus envie que tu me dises, ah, tiens, t'as qu'à rebâtir bien mes chemises. Voilà, j'ai pas envie non plus d'acheter la superbe BMW qui est fabuleuse, on paiera les traites ensemble. Je n'ai pas envie que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai donné tes cachets contre la grippe. J'ai pas non plus envie de tes chaussettes sales, là, dans mon panier à linge. J'ai pas envie de nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une putain de paella pour tes collègues de bureau. Je ne veux pas te demander si tu préfères mon film au lieu de ton sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. T'as compris ça? Voilà. Et puis, Didier, ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Tu comprends? Voilà. Et puis on était bien comme ça. Chacun son chez-soi, quoi. Tu vas chez toi, je vais chez moi, tu vas me voir de temps en temps, et puis voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et tu veux quand même dormir là ce soir? Putain, Didier, je t'aime énormément, même. Mais comme on est comme ça me va très bien. Ce soir, ça ne sera pas possible. Non seulement parce qu'il est tard, mais aussi parce que j'ai pas envie, tu comprends? Pas envie. Écoute, Didier, si tu me fais chier encore une seule fois, si tu franchis cette porte, je te jure que c'est terminé, tu m'as compris? C'est terminé.